À la loterie de l'indécence, résumant tirer le gros lot. Je m'en fous de voir une meuf à moitié nue, ta mère t'a allaité, donc je veux pas le refouler. C'est pas les cuisses des femmes qui devraient s'ouvrir, mais l'esprit des hommes au lieu de faire souffrir. Et ma tome sur masculinité toxique, je représente que mes pensées qui veulent se faire entendre ici. Pas être tendre aussi. Génération de polémique, ça mérite par exemple. Les moussines peuvent se vêtir comme elles le consentent. Pas besoin d'être féministe, extrémiste pour pouvoir se balader les seins à l'air sans vexer aucun passant, sans aucun soutif. C'est pas leur faute si les hommes n'ont plus de partie innocente. Dans ces politiques, y'a que la polémique qui est prolifique. Je ne vois plus un seul bon motif derrière toute leur directive. Hors de question que je cède à la pression. Hors de question que je cède à la pression. Hors de question que je cède à la pression. Hors de question que je cède à la pression. Comportement d'adolescent, peu d'adultes ont la sagesse dans le sang. Ça veut rien dire d'avoir tant de connaissances si c'est sans aucune preuve de conscience, sans secret. Agissement autodestructeur. On heurte ce qu'on aime, on aime ceux qui nous heurtent. La zone de confort des jeunes se cache dans la douleur. Douleur vient donc ce besoin viscéral de connaître tous les avis. Oui, c'est rare car je tolère que la colère des honnêtes et puis je m'efface. Hors de question que je cède à la pression. Hors de question que je vende mon cul et mes rimes pour me voir reconnaître le buzz que je mérite. Faut croire que des rappeurs vont faire qu'une chose devant moi et ils vont me faire rire. Tes rappeurs en palmipère, défaut d'être net, ils ont tous la langue de vipère. Non, commis aucun délit, à part écrire leur triste vie remplie de bêtises mensongères. Prendre des valeurs qu'ils ne connaissent qu'à peine et ce délit de leur famille le plus vite et ne seront jamais en paix. Je commencerai pas la fume ni la gueudra. C'est bien de se repentir, c'est mieux de pas avoir à le faire. Tes rappeurs ne pratiquent que la gueudra sur leur cam et leurs fans ne seront bons que quand je viendrai les canner et faner, égorger et maquer. Certes, je connais pas le glock, mais je maîtrise la glotte comme personne ne l'a jamais manié.